ben, notre invité aujourd'hui en cuillère, Antoine Bertrand. Salut Antoine. Qu'est-ce que tu fais là, toi, mon maudit sang? Hey, sac ton casse. Non, viens te coller. Non, c'est correct. Alors, mettons, je suis Jeannette, là, au sens figuré. Là. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Qu'est-ce sur ton intimité, sur te confier, dire quelque chose qu'on ne sait pas de toi, que tu pourrais partager, qui n'est pas trop secret? C'est bon, je l'ai. Tu n'es pas obligé de me donner autant de temps de penser, là. Je l'ai. Vas-y. Le clown est triste. Sérieusement, des fois, le clown est triste? Ouais. Mettons, tu serais Jeannette, là, c'est ça que je te dirais. Comment tu te sens avec une jambe de 150 livres, c'est toi? Ben, c'est bien, ça, c'est un beau petit jambon. Ben, écoute, on est bien, je me sens sécurisé. Il peut m'arriver n'importe quoi, je pense que je suis à l'abri. L'hôtel peut tomber, puis sans sécurité. Est-ce que t'es câlin dans la vie? Ah ouais, moi, je suis un super taponeux. Ouais, cajoleux, amoureux. Un heureux mélange entre câlin, puis indépendance. Douceur, robustesse. Je vais aller juste vérifier Big Zoom. Tu t'en vas quand je te dis de t'en aller, OK? Mais je dois aller mettre de l'argent dans le parcomètre, je peux pas. Non, okay. Ben voilà. Comme ça, là. Un pays, un endroit où tu aimerais être. Écosse. Pourquoi? Petite maison sur le bord d'une falaise, sur le bord de la mer. Des livres, un copain. On est toujours à Flash. On vous revient après la pause avec un nouvel animateur. C'est bien, merci Antoine. Et la cuillère se termine. Ton actualité, tes dates. Mes dates, ben, je fais un lien avec la cuillère pour te parler d'un spectacle qui s'appelle La Soupe de Kafka, qui est présenté le 21 septembre au Lion d'Or. C'est une lecture dans le cadre du Festival international de littérature de Montréal. La semaine prochaine, Danny DeVito va être là. Ben oui, il va être plus facile à contrôler que moi. Hein?